Je vous ai manqué ? Bon. Il y a de nouveaux tours de cou. On est en février, c'est un peu tropical. Sympa. Bon, cette semaine, on va faire... le RAM. Voilà, on baisse chaud. Ça, c'est le moton, on va la faire, mais on verra plus tard. On va voir où il est, le papy. C'est là, mon titi. On va commencer. Ah, on va commencer quoi? Enfin, la peinture, quoi. Ah, d'accord. Bon, ça y est, notre ami Mimi a eu son petit quart d'heure de gloire. Il a fini sa petite intro pourrie. Là, cette semaine, on attaque le RAM, comme il l'a dit tout à l'heure. Il y a un gros taf dessus, donc je vais vous montrer vite fait, on a commencé, mais il y a un peu de boulot là-dessus. Et voilà. Donc Dodge Ram blanc. Donc forcément on va faire du Raptor, mais comme on va pas vous faire en vidéo tous les véhicules qu'on fait en Raptor, là il y a un petit truc un peu plus poussé, on va dire, c'est que sur le côté, attention Mimi, sur le côté, ici, et de l'autre côté, on fait full aérographe. Donc on va faire un drapeau américain, bien sûr. Et, si tu veux. Bah j'attends. Reste pas dans le cadre là, allez, fais 120 travailler. Et donc full aérographe sur les côtés, et bien sûr on va faire une délimitation pour repartir sur le Raptor. Donc Raptor blanc, tout ce qui est noir, Raptor noir, les marchepieds noirs, enfin bon, vous allez voir, là mine de rien, il y a un petit peu de boulot. Et c'est un truc à la ricaine, quoi, c'est sympa. Et puis vous allez voir, hein, en images. Puis on va vous montrer aussi d'autres petites choses sympathiques. On est en train de graver des flingues. Là, on a une grosse série de guns assez sympas, des AR-15 là. Je pense que visuellement, une fois que le RAM sera fini, quand on aura fini les flingues, on pourra faire quelques photos sympas avec les guns, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, les amis, ça y est, on est sur la partie. J'ai commencé le ponçage. Donc, ponçage au 800. En fait, comme on va garder la base de blanc qui est très propre sur la carrosserie arrière. Sur les latéraux, en fait, on fait du coup un drapeau américain qui flotte comme ça, en noir et blanc, donc de chaque côté. Donc là, j'ai installé les petites étoiles du drapeau. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Et je vais ensuite faire les traits directement au fin line, donc au petit scotch assez fin. Voilà, tu vois, j'ai caché aussi de l'autre côté. Comme ça. On a fini de tout cacher le reste du véhicule. Donc tout ce qui va être noir, toutes les plastiques noirs, les poignées, les baguettes, on fait en Raptor noir. Les marchepieds aussi, je vais les démonter tout à l'heure. Pare-choc arrière, les plastiques noirs, le reste il veut en blanc. Et du coup, drapeau américain et full Raptor blanc sur le reste du véhicule. À part la grille aussi, la grille de la calandre, voilà. Donc je vais essayer de faire le noir ce soir de tout ce qui est à faire à l'aéro. Donc vraiment, en fait ici après on va le vernir en mat. Donc là je cache, je fais les bandes, je peins en noir, demain je décache, je vous ferai un petit timelapse et puis 16 fera des petits plans directement de l'aérographe. Sachez que en général, vous appréciez l'aéro, en tout cas de regarder. Donc peut-être de l'autre côté, je ferai peut-être un live sur YouTube. Donc bon, d'ici là, vous l'aurez peut-être vu. Et puis voilà. Donc là, il est 19h30. Je vais attaquer le noir là. Et puis après, je vous referai un petit plan après. C'est parti.
Hop hop hop, pause publicité les amis. Comme t'as pu voir dans les stories Instagram, si t'as pas vu encore sur Instagram, tu t'abonnes. On a reçu les petites casquettes qui vont bien. Donc il y a deux tailles, hein, tu vois, avec le petit Team Fokker derrière qui va bien, tu vois. Donc il y a du tan, du kaki, du noir et du gris bien sûr. Donc elles sont disponibles les amis sur le site, deux tailles différentes. N'oubliez pas de regarder, de toute façon il y a la taille de tête sur le site. Donc faites-vous plaisir, il y a aussi des t-shirts, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'était le petit moment publicité. C'est reparti. Le drapeau, on a verni, bon, elle est en train de prendre la poussière hein, parce que forcément on est en train de foncer à côté. On a verni, donc là j'ai décaché ce matin, je vais recacher maintenant que c'est sec et je vais y donner la forme finale. Donc on va faire comme si c'était un peu une genre de déchirure et après on doit poncer tout le reste. Donc ce soir on va peindre tout ce qui est les éléments noirs en Raptor forcément et demain on fera tout le reste en blanc. Raptor blanc ça va être être sympa, voilà, comme le Navara de Terry, voilà, avec peut-être un grain un peu plus agressif parce que ça c'est une vraie voiture. Allez, c'est parti. Vas-y, c'est bon. Bon, on a fini de peindre le RAM cette nuit. Donc là, je décache vite fait parce que je crois que ça prenne l'humidité là, que je puisse bien le retirer. Le petit drapeau. On a les gars de chez Vintage Mécanique qui sont là. Avec les caméramans, il y a tout le monde là. Du coup, on a un petit véhicule à faire dans la journée pour l'un de leurs épisodes. L'équipe est au top là, je pense qu'on va passer une bonne journée. On va vous montrer un petit peu dans la journée comment ça va se passer, sans trop tout vous montrer non plus parce que sinon on va leur spoiler leur vidéo. Déjà le petit RAM c'est fini, il n'aura plus qu'à remonter. Ça me plaît bien cette histoire là de drapeau. Bon, on a fini la première couche du super véhicule de Vintage Mécanique. Et puis il y a les copains Wouin qui sont passés nous voir. Donc les gars, c'est parti. Ils font de l'arceau, ils font du Raptor aussi. Ils font quoi aussi? Modification de jantes, c'est ça? Ouais, modif de jantes, tout ce qui est parvu, flarceau, voilà. Alors oui, tiens, viens voir. C'est sur mesure. Guette le bordel à l'arrière. Là, t'as le petit truc avec la goupille.
il décale comme sur les vrais 4x4 et après il peut ouvrir son coffre, tu vois. Donc les vrais bordels là pour monter dessus. Enfin, tu vois, un vrai petit 4x4. Sympa. Full Raptor. Et c'est ça, c'est ta première, t'as dit, hein? Ouais. Voilà. Première en Raptor, franchement le grain il est vraiment. Il est bien. Il est très très bien même. J'irai pas parfait parce que ça serait pas. Non là, franchement il est nickel. Y'a rien à dire. Rien à dire. Puis tu vois, ils font même des petites impressions 3D. Tu vois, ils ont tapé le petit truc jusqu'au bout, le vis. Donc il y a de fortes chances qu'on fasse des petites choses avec eux. Voilà. On vous verrez bientôt dans d'autres épisodes les amis. Du coup on va repartir faire la deuxième couche du Land Rover avec ce bleu fantastique. Et puis après on vous montrera peut-être des images, mais c'est pas sûr. Allez. Bon, on a mangé avec toute l'équipe du coup de Vintage Mécanique. Donc bon, merci de ta visite mon ami. Bah, écoute, avec grand plaisir. Voilà. Avec et grand puis, plaisir. On va finir le projet. Ouais, faites-moi un beau projet. Moi hein, bon, je suis pas inquiet. Entre eux et vous, je suis pas inquiet, ouais, les gars. Bon, ça va. Il y a aucun souci. Puis nous on est sur un autre tournage à quelques kilomètres d'ici avec une petite voiture de course des années 60, okay, qui va reprendre du service puisqu'elle va courir, j'espère, sur la saison 2021 si on ouais, peut si sortir on peut, de ouais, chez nous. Ouais. Et si c'est pas pour 2021, ce sera pour 2022. Ok. Voilà. Donc on est amené à se revoir bientôt. Ok, bah carrément, super. Bon okay, bah écoute, impeccable. Allez, bon courage, à ciao, bientôt. Salut. Allez, c'est reparti, on était. Encore moi. Bon les amis, Foc est parti à la poste. Il sait pas que je filme le là. Donc si vous le voyez, c'est que c'est passé. Sinon je suis resté dans le disque dur. Donc cette semaine on a fait le RAM. Il est pas mal hein. Comme on m'a pas vu beaucoup dans la vidéo, à part au début avec la moto et graver des écouteurs, j'ai pas fait grand chose. Donc je fais la fin de la vidéo. Donc je vais vous laisser sur les belles images de les... Donc je vais vous... Je reprends à où? Je vais vous laisser. Donc je vais vous laisser sur les belles images de... C'est dur à dire quand même. Donc je vais vous laisser sur les belles images de... Bon, je vous laisse sur les belles images que 16 va nous faire. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a les nouvelles casquettes qui sont dispo. Achetez-les, ça fait plaisir. Allez, à plus.